Je préfère accepter le changement plutôt que de m'accrocher au passé. Comment puis-je payer pour ça? Changez vos paroles, changez votre vie. Les pauvres, les ratés, les malheureux et les malsains sont ceux qui utiliseront le mot le plus demain. Les perdants abandonnent quand ils échouent, les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Les gens qui réussissent prennent de grands risques, en sachant qu'ils peuvent tomber durement, mais aussi qu'ils peuvent réussir plus que ce dont ils ont toujours rêvé. Dans chaque problème, il y a une opportunité. Chaque fois que tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose, quelqu'un d'autre pense que tu peux. Trouve où tu es, où tu vas, et fais un plan pour y arriver. Si tu veux être un gagnant dans la vie, tu dois constamment aller au-delà de ce que tu peux. Quand les temps sont durs, c'est quand de vrais entrepreneurs émergent. Si tu veux être riche, ne te permets pas le luxe des excuses. Quand vous créez de la richesse, c'est votre responsabilité de la rendre à la société. Ne vous concentrez plus sur l'argent, mais sur le service à un plus grand nombre de personnes. Servir plus de gens rapporte de l'argent. Je n'arrête pas d'entendre, je préfère être heureux que riche. Pourquoi ne pas être les deux? L'argent n'est pas le but. L'argent n'a aucune valeur. La valeur vient des rêves que l'argent aide à réaliser. Les gens les plus riches du monde construisent des réseaux. Tous les autres sont formés pour chercher du travail. La philosophie des riches et des pauvres est la suivante. Les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. Les pauvres dépensent leur argent et investissent ce qui reste. Si vous voulez être riche, soyez amis avec des gens qui ont la même mentalité que vous, ou du moins n'essayez pas de changer votre mentalité pour être plus comme la leur. La vie est trop courte pour passer du temps avec des gens qui ne vous aident pas à avancer. Écoutez les conseils de ceux qui ont déjà atteint votre but. Chaque personne qui réussit dans la vie a commencé par la poursuite d'une passion, habituellement la compassion. Le plus souvent, dans le monde réel, ce n'est pas l'intelligent qui est devant mais plutôt l'audacieux. Si vous allez être un gagnant dans la vie, vous devez en permanence donner le meilleur de vous-même. L'éducation obligatoire amène un salaire, l'éducation personnelle amène la fortune. Si vous voulez aller quelque part, il est bien de trouver quelqu'un qui est déjà allé. La meilleure façon de prédire l'avenir est d'étudier le passé ou de pronostiquer. La confiance vient de la discipline et de l'entraînement. Je crois que l'une des clés du succès est d'accepter la vérité, peu importe la façon dont elle a été dite. Faites face à vos peurs et à vos doutes, et un nouveau monde s'ouvrira à vous. Dans la vraie vie, les personnes les plus intelligentes sont celles qui font des erreurs et apprennent d'elles. À l'école, les gens les plus intelligents sont ceux qui ne font pas d'erreurs. Quand vous arrivez à la frontière de ce que vous savez, il est temps de faire des erreurs. Les personnes qui réussissent le mieux dans la vie sont celles qui posent des questions. Ils apprennent toujours. Ils sont toujours en croissance. Ils poussent toujours. Les non-financiers qui écoutent les experts financiers sont comme des lémines qui ne font que suivre leur chef. Ils dévalent la colline dans l'océan d'incertitude financière dans l'espoir de nager de l'autre côté. La principale raison pour laquelle les gens ont des difficultés financières est qu'ils acceptent les conseils financiers de personnes pauvres ou de vendeurs. La capacité de vendre est le numéro un dans les affaires.
Si vous ne pouvez pas vendre, ne vous embêtez pas à devenir propriétaire d'une entreprise. C'est plus facile de rester dans les tribunes, de critiquer et de dire ce qui ne va pas. Les tribunes sont pleines de monde joué. L'amour de l'argent n'est pas mauvais. La mauvaise chose est le manque d'argent. Le problème avec l'école, c'est qu'il te donne les réponses et ensuite il te donne l'examen. La vie n'est pas ainsi. Il ne suffit pas de se tromper pour devenir grand. Vous devez admettre vos erreurs et en tirer des leçons pour les exploiter à votre avantage. Se plaindre de votre situation actuelle dans la vie est inutile. Au lieu de cela, levez-vous et faites quelque chose pour la changer. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, les personnes qui ne prennent pas de risques sont celles qui prennent de vrais risques.